l'impression des avantages qu'on a depuis des années. Les gens sont morts pour ça. Les gens ont perdu des heures pour ça. Et à l'heure actuelle, on nous le supprime avec des moyens qui sont, de voleurs, des systèmes de voleurs. C'est, tous les avantages sont pris. On prend sur les agents EDF en disant que c'est un service public, qui n'est plus un service public maintenant. Et puis qu'on trouve des prétextes futiles et inutiles. On met en colère. C'est normal, parce que quand on met 30 ans dans une entreprise, même plus que 30 ans dans une entreprise, pour la faire fructifier, tout ça, et maintenant l'argent part au privé, aux abondements, ou tout ce qu'on veut, quoi. Et c'est de l'argent qui est mis en l'air au détriment du client, parce que moi je continue à appeler ça un client. On touche à nos tarifs, on touche à nos avantages, et ça c'est pas bon ça. Au fur et à mesure du temps, on nous enlève petit à petit nos avantages. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de toucher à nos tarifs. Bientôt, ça sera notre CE. Et bientôt, on n'aura plus rien. Dans n'importe quel emploi, il y a toujours des problèmes d'argent. Il y a toujours eu des problèmes d'argent de cette manière. Dans chaque métier. Vous êtes en colère, là ? Bien sûr, on est en colère. On touche à tout et on nous enlève des choses. On arrive dans une entreprise et on nous change tout. C'est ça le problème maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, on signe pour des choses et on nous enlève tout. Malheureusement, c'est ça. Qu'est-ce que j'y passe pas. Sur le système, quoi. Les avantages, le statut, tout, quoi. Voilà. Comme la poste ou autre chose. Moi, la pression, je l'ai plus. Je suis bientôt en retraite, j'ai plus rien à craindre. Mais pour moi, c'est pas normal. On doit répartir les charges, d'accord, répartir l'égalité, d'accord, mais que ce soit tout le monde ou personne. Le financement peut être fait autrement et mieux. Je t'emmène avec moi.